Good morning, allez, Iden, les tutsurs aujourd'hui, les lunishmat, Mourib Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Arida, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Est-ce que c'était aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah contactée à 5 minutes éternelles? Nous étudions le Sechat Minachot, Perig Dalet, Mishnah Hei. Chavite Kohen Gadol, Lohayu Baot Chatzaim, Ela Mevi Isaron Shalem, Vechotsehu, Omakriv Mechetsa Baboker, Omechetsa Ben Arbaim. Ve Kohen Sheikriv Mechetsa Beshacharit Umet, Ominu Kohen Acher Tartav. לא יביא חצי סרון מביתו, ולא חצי סרונו של ראשון, אלא מביא סרון שלם וחוצהו ומקריב מחצה, או מחצה עבד. ונמצאו שני חצאים קרבין, או שני חצאים עובדים. לא מינו כהן אחר, משל מי הייתה קרבה? רבי שמעון אומר, משל ציבור, רבי יהודה אומר, משל יורשין, ושלמה הייתה קרבה. Bon, on a un sujet, d'abord, premièrement, on a fini maintenant, on va changer de sujet désormais, on va commencer à parler concrètement des menachot, comment les faire, il y a différentes espèces de menachot. Et on commence notre Mishnah avec le premier, la première mincha qui est la chavitei kohen gadol, minchat chavitin, ceux qui commencent les korbanot le matin, la tefila, comme il faudrait le faire, ben moi je m'efforce de le faire, mais bon. Et en tout cas là-bas, dans la abaye, avam sader sader amarcha, là-bas on mentionne les chavitin. Ouais, je ne sais plus dans quel ordre c'est écrit là-bas, mais Kodem la Chavitin. Les Chavitin, c'est un... Littéralement, on a l'habitude de traduire Chavitin, Chavita en hébreu moderne, c'est une omelette. Là, on va parler d'une mincha particulière, c'est une mincha qui s'appelle Chavitin, parce qu'en fait, le mot Chavita, ça vient du mot Machvat, une poêle. Alors, de la poêle, on a fait que ce qu'on fait cuire dans une poêle, ça s'appelle des Chavitin, d'accord ? C'est l'origine. Et en fait, on parle d'une mincha particulière où il faut la faire cuire beaucoup, comme ce qu'on va voir tout de suite. On va voir le pasouk, justement, parce qu'il y a une petite paracha de 3-4 pasukim dans la Torah, un petit sujet, qui est concentré tout ici, dans la Gemara, c'est tout détaillé dans tous les détails, et c'est déjà, on va essayer de le faire très rapidement, et bien, depuis la source. On est dans Vaikra, dans paracha Tzav, Perek Vav, dans le Sheni, en fait, pasouk Yudbet. וידבר השם אל משה לאמור זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לשם ביום הימשך אותו עשירית האפה סולת מנחה תמיד מחציתה בבוקר ומחציתה בערב יצחק ואת הסור לבא זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לשם תלי לקורבן que Aaron et ses enfants devront faire tous les jours ביום הימשך אותו littéralement le jour où il sera oint. Asiri ta'efa solet mincha tamid. Ils devront amener une asiri ta'efa, donc un isaron, une quantité de un dixième d'une efa, solet mincha, de semoule, mincha tamid, toujours, tous les matins, tous les jours. Machatita va boker ou machatita va arev. La moitié le matin et la moitié le soir. Bon, il y a un problème déjà dans les psukim, on est en train de parler de. Il y a une mitzvah spéciale pour les Aaron. Aaron, quand on a marqué Aaron dans la Torah, c'est le Kohen Gadol. Donc une mise en spéciale sur le cas Kohen Gadol et ses enfants, mais en réalité ça concerne tous les Kohen, on va expliquer ensuite pourquoi. Mais en tout cas, la Mishnah m'enseigne, pour le Korban, pour Aaron, le Kohen Gadol, depuis le jour où il sera oint, il a une mitzvah d'apporter tous les jours une mincha particulière, d'une dose de un siri à Isaron, une dose de un Isaron, ouais, qu'on rencontre fréquemment dans ces sujets-là, et qui devra, ce Isaron, le couper en deux, machatzita baboker, la moitié d'elle le matin, la moitié d'elle le soir. Et al machavat bashemen tease, il la fera dans la poêle, dans de l'huile profonde. Donc c'est la machavat de le mot chavitin, comme je vous ai dit, elle sera faite. Murbechet teviena. Murbechet teviena, il devra la porter murbechet. Murbechet, c'est une type de pâte cuite dans berotrin kolzorka, Rashi rapporte. On la plonge dans de l'eau chaude d'abord, dans de l'eau chaude bouillante pour faire la pâte. J'imagine ça va faire une sorte de pâte à choux, je ne sais pas. Dans de l'eau bouillante, et puis ensuite tout finir minchat pitin, il faut ensuite la faire cuire au four plusieurs fois et la faire la couper en petits bouts. Concrètement, la Torah est en train de me donner toute la recette, comment il faut la faire. C'est une mincha qui, techniquement, elle devenait très molle. Elle était d'abord pétrie avec dans beaucoup d'huile, elle était cuite au four, et puis après elle était recuite encore une fois dans la poêle, et ça sortait quelque chose de mou, d'accord. Comme ça, j'ai vu, je sais plus où. En tout cas, Rashi, tout finé, c'est qu'elle est cuite plusieurs fois. Rashi, il rapporte « Afouya afiyot arbe » elle est cuite plusieurs fois au four. « Sha'achar chalitata ofe batanur vechozer ometagna bamachavat » c'est Rashi dans sur la Torah. Après qu'il a fait plonger dans l'eau bouillante, donc comme la pâte à choux, ofe batanur, il a fait cuire au four, et après il a refait griller, il a refait frire dans la poêle, d'accord ? « Minchat pitim » et il faut la découper.
Et le passage continue en disant Vakona Mashiach Tartav Mibana via Aserota. Et le Kohen qui sera loin ensuite à sa place, il la fera. Chok Olam, décret pour l'éternité. La Shem, il offrira à Shem, Kalil Toktar, elle sera brûlée entièrement au feu. Mais la Shem, les Haktir, faire brûler au feu, ça s'appelle Haktara. Donc Kalil entièrement, Toktar. Après, la Torah continue en disant Vakona Mashiach Kohen, Kalil Tiye, Lote Achel. Pour le moment, je m'arrête là. On a donc découvert qu'on parle d'une mincha particulière. Quand on parle d'un Kohen Gadol, le jour où il va entrer en fonction, qu'on va le oindre, alors il devra apporter une mincha. Dès lors, tous les jours, il devra apporter cette mincha, une quantité de hissaron qui mélange, qui fait cuire plusieurs fois, dans de l'huile profonde. Et quand il va l'apporter, maintenant, il va faire la moitié le matin, la moitié l'après-midi, le soir. Concrètement, il doit apporter 12 chalot. Je vous explique tout de suite les principes qu'on va voir après dans la Mishnah plus en détail. Mais cette mincha-là, en fait, il va faire 12 chalot, 12 petites chalot, cette quantité de hissaron. Il va les faire en 12, et il va ensuite les couper en deux. Machloket entre le Rambam et le Ravad, est-ce que chacune les coupe en deux? Ça, c'est le Rambam. Donc ça va faire 12 moitiés le matin et 12 moitiés l'après-midi. Ou selon le Ravad, il faut faire 6 le matin, 6 le soir. Ok? À part ça, maintenant, chaque Kohen qui va entrer en fonction... Le jour où il rentre en fonction uniquement, c'est des psukim, Rachid le rapporte là-bas, le jour où il rentre en fonction, il devra apporter aussi 7 mincha, mais après c'est tout, il ne le rapportera plus. Mais pour le Kohen Gadol, il le fait tous les jours, maintenant il n'est pas obligé de le faire lui-même, il peut laisser sa mincha, il laisse l'argent, ou même sa semoule au Beth Amikdash, et les Kohanim le font à sa place. D'accord? On a présenté le principe de chavité Kohen Gadol, maintenant Mishnah va nous donner plusieurs halakhot. A commencer tout d'abord avec le fait que je vous ai dit qu'il faut apporter la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Eh bien, la Mishnah m'enseigne qu'il faut la porter en une fois, un Issaron, et qu'on va couper en deux, sur le Rambam. En long, soit en large, d'après le Rived. En laissant 6 et 6. Appelez le long et le large comme vous voulez, quoi. En tout cas, ouais, mais pas 6 le matin, ou 6 moitié le matin, et 6 moitié l'après-midi. Non, il doit apporter d'abord toute la quantité d'un coup. C'est le principe qu'on va parler dans essentiellement toute la Mishnah. On insiste en fait que 7 mincha, une entité entière, de un Issaron que tu l'apportes, et qu'une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a présenté au Beth Amikdash, alors on va la couper en deux et on va garder la moitié pour le matin, la moitié pour le midi. Il ne pourra pas apporter la moitié de sa maison. Imaginez que pour le moment, il a juste la moitié d'un Issaron. Il va porter le matin et l'après-midi, il repasse au Beth Amikdash pour déposer l'autre moitié du Issaron. Ça ne marche pas. D'accord? Après, on verra en plus, si toutefois il est mort dans l'après-midi, on a nommé quelqu'un d'autre à la place. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On aura eu un problème, qu'on ne peut pas apporter qu'une moitié. Il faut apporter une quantité de 1 Issaron que l'on coupe en deux. D'accord? Deux demi ne font pas un. C'est le principe. Alors, on commence maintenant la Mishnah. Chavite Kohen Gadol, lo ayu baot chatzaim. Les Chavite Kohen Gadol, cette mincha là du Chavite Kohen Gadol, des frites pour le Kohen Gadol, l'oyubot chatzaim, on ne pouvait pas les apporter à moitié, il fallait apporter tout le Issaron d'un coup. Et la mevi Issaron shalem, il devrait apporter un Issaron entier, vechotzeu, il le coupe en deux, il le partage en deux, Rambam Ravad, retenez-le, ou magriv mechetza baboker, et de ce Issaron qu'il a séparé en deux, il apporte la moitié, magriv mechetza baboker, il apporte la moitié le matin, ou mechetza ben arbaim, et l'autre moitié l'après-midi. Si un Kohen Gadol qui a apporté la moitié le matin, mais que l'Ahmou, il est parti dans le Rolam Ahemet, il est mort, et on a eu le temps dans l'après-midi de nommer un deuxième Kohen Gadol à la place. Alors là, qu'est-ce qu'on fera pour les Chavité Kohen Gadol? D'accord? Ouais, je reprends dans les mots. Un Kohen qui a apporté la moitié, il a apporté son Issaron, on a apporté la moitié le matin, mais après, il est mort. Oumet, ou Mino Kohen Achel Tartav, ils ont nommé un autre Kohen à sa place. Eh bien, Loyavi Chatsi Issaron mi Beto. Quoi qu'il arrive, d'abord, premièrement, on ne pourra pas continuer à porter l'autre moitié, parce que l'autre moitié, ça appartient au premier Kohen, et le Kohen Gadol, il n'est plus là. Donc, Alach Leiboud, ça a été perdu. Maintenant, le nouveau Kohen, il devra apporter. Maintenant, on est dans l'après-midi, il faut apporter que la moitié. Donc, peut-être qu'il va apporter que la moitié. Non. Loyavi Chatsi Issaron mi Beto, il ne pourra pas apporter la moitié de sa maison. Velo Chatsi Issarono, Shem Rishon. Il ne pourra pas non plus apporter la moitié d'un Issaron, du premier, comme ce qu'on a dit. Elle a mevi Issaron Shalem, mais il devra plutôt apporter un Issaron entier, une quantité entière d'un Issaron. Vechotseu, il le coupe en deux. Ou Magriv Mechetza, il va faire la moitié tout de suite. Ou Mechetza, et l'autre moitié, elle va partir. Ah, elle va être perdue.
pense pas qu'on va la jeter à la poubelle, j'imagine qu'on va la faire brûler au Beth Hadeshen. Là, on brûlait tout le reste des corbanotes qui ne montaient pas sur le misère. Donc, Nimtseou, il s'avère donc que dans cette journée, Shnei Chatzaïm Kerevin, deux demi ont été offerts. Deux demi Issaron ont été offerts sur le Mizbeach, le matin pour le premier Kohen Gadol et l'après-midi pour le nouveau Kohen Gadol, ou Shnei Chatzaïm Ovdim, tandis que les deux autres moitiés ont été perdues. D'accord ? Maintenant, la Mishnah continue en scène. L'Omino Kohen Acher, si toutefois ils n'ont pas nommé un autre Kohen à la place. On n'a pas eu le temps. Le Kohen, il est niftar, il est décédé à 3h, 4h après-midi, le temps qu'on s'organise. On n'a pas eu le temps de nommer un Kohen Gadol, la journée est en train de se finir. Et il va vite, on n'a pas le temps de décider qui on allait nommer. On a le temps malgré tout d'apporter quelque chose. Est-ce qu'il faudra apporter quelque chose et qui devra apporter ? Michel Miyaita Kereva, de l'argent, de qui, c'est qui ? Ouais, c'est un grand règle. Quand je fais un cadeau, quand je fais un corban, alors il y a un grand principe que ce soit mon argent que je donne pour acheter. C'est ma part à moi que j'offre au Mizbeach. Donc si j'ai donné une mitzvah au Kohen Gadol, ça doit être l'argent du Kohen Gadol. Et s'il n'y a plus de Kohen Gadol, c'est plus l'argent du Kohen Gadol. Alors là, on a un problème. Quoi qu'il arrive, cette minchala, il va falloir l'offrir aujourd'hui, même s'il n'y a pas de Kohen Gadol en fonction. Mais qui va la payer ? Au frais de qui elle va être ? Machloket. Michel, donc je reprends dans les mots. L'omino Kohen Acher, ils n'ont pas eu le temps de nommer un autre Kohen, Michel Miyaita Kereva. Au frais de qui elle était offerte ? Rabbi Shimon Omer, Michel Tzibur. Le Rabbi Shimon nous enseigne que, ben dans ce cas-là, elle viendra sur le compte de la caisse nationale qui avait au Beth Amikdash. Il y avait là-bas de l'argent qui appartenait tout l'âme Israël. De là-bas, on faisait en l'occurrence les Olot, Olat Tamid et le Korbanot Sibur. Et ben de ça aussi, on va prendre de l'argent pour aller faire la Minchat Ravitin ce jour-là. Rabbi Yehuda Omer, Michel Yorshin. Rabbi Yehuda enseigne qu'il faudra la faire Michel Yorshin. Non, les héritiers du Kohen Gadol. Et chacun déduit ça du Passouk. Je ne vais pas ouvrir le Passouk comme ça va aller plus vite. Il y a le Rashi, Bartenora, il rapporte les mécorotes de chacun. Pour Rabbi Shimon, il apprend que c'est rapporté du Tzibur, parce qu'il y a marqué Chok Olam, Chok Zeyehe Michel Olam. Il y a marqué un décret pour l'éternité. Le mot Olam, en hébreu, il a deux consonances, deux significations. Ça peut être soit un monde, ça veut dire le monde, Olam, mais ça peut soit représenter l'éternité, les Olam Vaed, ou soit, donc c'est le temps, comme ça on avait traduit quand on a lu le pasuk, Chok Olam, c'est un décret pour tout le monde. Mais ça peut aussi être traduit le Olam, le monde, le public. D'accord ? Et de ce fait, Chok Olam, c'est un Chok, un décret, une taxe fixe pour le public. Donc, de là on déduit, pour tout le Ham Israël. C'est offert de Dieu Ham Israël dans le cas où il n'y a plus de Kohen Gadol, parce qu'il est mort qu'on n'a pas nommé quelqu'un d'autre à la place. Tandis que Rabbi Yehuda déduit ça, Dieu qui a marqué. Il y avait marqué là-bas, il y avait dans le dernier pasouk qu'on a lu en rapport avec la Ravité Kohen Gadol, il y avait un pasouk qui me disait Akohen Amashiach Tartav Mibanav, le Kohen loin en dessous de lui, de ses enfants. Et il déduit Akohen Amashiach Shemet Tartav Echad Mibanav Yasota. Il déduit ça des pasouk, de ce pasouk qui a une insistance pour t'apprendre que lorsqu'il est décédé, alors Echad Mibanav Yasota. Ok, un de ses enfants le fera, même si la pète est nommée Kohen Gadol. La Mishnah conclut. En me disant, donc, on a vu donc la marloket de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, et dans ce cas-là, lorsqu'elle va venir des enfants, alors à la fin particulière, Ushlema Haïta Kreva, et elle était offerte intégralement. C'est-à-dire, regardez, c'est quelque chose de très particulier qui se passe cette fois-ci spécifiquement. Pour tous les Ravité Kohen Gadol qu'on a vu jusqu'à maintenant, quoi qu'il arrive, on n'offre que la moitié pour la première mi-journée et l'autre moitié dans la deuxième mi-journée, dans l'après-midi. Ouais? Et même quand il y a eu un problème, il y a eu un Cohen qui va entrer en fonction en dernière minute, et ben on va lui dire, ben tu fais tout, tu vas faire que la moitié. Mais il y a un cas de figure où on va faire une mincha entière, on va prendre toute la quantité du Issaron, on va entièrement la brûler au feu. C'est le cas où le Cohen Gadol, il est niftar, on n'a pas nommé de Cohen Gadol, qui va, donc ça va être soit ses enfants, soit le public qui va le rapporter, cette fois-ci, où Shlema et Takreva, intégralement, on va la brûler. Et c'est des lieux de psukim quoi, et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.